Bonjour, je suis Pape GAYI, je suis le cofondateur de Holding GAYI, directeur commercial en même temps et manager de GAYI Immobilier. Ben, après le bac, j'ai fait un ISM, j'ai fait ma licence avec double diplôme en champ. J'ai fait une licence en bachelor là-bas. En même temps, j'ai fait un diplôme en entrepreneuriat ISM. J'ai fait un master en commerce international. Et aussi un master en entrepreneuriat au niveau de l'Iman. Donc, entre temps, quand j'ai fait mon bac, j'ai fréquenté Sénékindia, j'ai travaillé par le biais de Global Property, j'étais là-bas comme conseiller commercial. Donc, quand j'ai fait Sénékindia manque de bonne période d'une année par le biais de Global Property. J'ai travaillé avec Weasel par le biais de Partner Service. Là-bas, j'ai dirigé l'équipe commerciale et après cela, j'ai fréquenté Sopnabi Immobilier. Toujours dans le domaine de l'immobilier, j'étais là-bas comme directeur commercial. Donc, pourquoi pas nous lancer dans l'entrepreneuriat, puisque ce que nous faisons est que nous sommes jeunes, nous avons une conviction, tout ça, c'est ce qui nous pousse à avancer dans l'entrepreneuriat. Donc, quand nous quittons Sopnabi, il y a un moment où nous avons fait une rétrospective, si nous posons la question pourquoi ne pas poser des actes, mais comment trouver les financements et comment et où et à quel moment. Donc, nous avons fait ce que nous avons fait, projet que nous avons fait, moi et mon frère, en tant qu'étudiant en 2012, nous avons fait un projet Holding GAYI. Donc, durant tout ce moment-là, nous avons travaillé. Donc, je suis en même temps, je suis une entreprise, de même que moi, je suis une entreprise. Si nous sommes en 2018, si nous sommes en SI, nous sommes. Après, en 2019, si nous officialisons en bureau. Donc, pour vous dire que tout au début, c'était un peu difficile, parce qu'un jeune job avec des moyens, mais à moins de 150 000 francs. Donc, si nous commençons à entreprendre, du tech à faire. Donc, durant ce moment, on a même posé des bureaux qui ont été en train de faire table pour tech. Mais toujours, nous avons des convictions à Tibet de Gumbel. Donc, en 2019, nous avons quelques temps et un an sur le Covid. Nous avons un blackout mondial qui a impacté beaucoup d'entreprises. En plus, nous avons arrêté. Mais par la grâce de Dieu, on a surmonté ça. Donc, quand on a fait ça, on a lancé Holding GAYI en 2019. Holding GAYI aussi, c'est un sigle qui signifie, c'est un jeu de mots, Holding qui signifie Holding GAYI, qui veut dire honneur, liberté, dignité, intégration pour la nouvelle génération. GAYI, GAYI Integration, c'est-à-dire toute personne qui est accessible à venir nous intégrer Holding GAYI. Et durant cette période-là, on a eu à faire un partenariat de travail avec un entreprise dirigée par Madame Abibakou Ngom, donc qui est la PDG. Donc nous avons travaillé dans le secteur du domaine immobilier et dans le domaine du travail. En fait, pourquoi l'immobilier? Dès lors, je suis ISM en tant qu'étudiant, j'étais le président de la commission d'immersion. C'est-à-dire c'est moi qui se chargeais de mettre en relation les étudiants étrangers et les étudiants sénégalais. Système parrainage, comme vous le voyez. Donc c'est à partir de cela que, avec les sollicitations des étrangers, j'étais en train de les aider gratuitement à trouver des chambres, des appartements pour se loger. Puisque nous sommes deux coups de pied, on est obligé à nous les diapeler. Donc si là ce n'est que de les diapeler, donc de fréquenter agence à courtier de l'hôtel et appartement gratuit. Mais à un moment, bien par exemple, sur ma licence en 2015, bien m'apparaît juste si l'année qu'on donne comme tous les jeunes déposer avec des rêves vraiment, avec des diplômes, avec la tête pleine, tout ça, d'y déposer, entreprise Global Properties dans mes voeux, bien mes voeux, c'est l'année de faire entretien. Mais pour dire la vérité, je ne savais pas que bon secteur là n'est. Nous sommes dans l'immobilier là n'est. Tu l'as né que de liguer avec nous. Dans le domaine de l'immobilier, on a commercial pas mal de produits avec Sénékindia, SN City, SD City, SD City. Oui, en interne, on travaille avec une équipe très vaste. Même en dehors de l'entreprise, on travaille avec des partenaires en freelance.
Au niveau de notre entreprise, on est bien structuré. C'est une équipe jeune, certes, mais très talentueux avec des perspectives. Bon, le département à Boutinec, qui holding GAYI, c'est vaste. Nous, il y a beaucoup d'immobilier, mais du côté immobilier, on a une équipe commerciale, on a un responsable commercial, on a aussi un responsable marketing communication. Nous avons géré tout ce qui est communication, holding GAYI, tout ce qui est publication. Même si on a une équipe qui se trouve sur le terrain. Moi-même, souvent, je suis sur le terrain en tant que manager parce que l'immobilier est très sensible. L'équipe aussi est composée de plusieurs démembrements. Pour ceux qui font des visites sur le terrain, c'est-à-dire ici à Dakar, mais aussi une autre partie qui effectue les visites du côté Bogéné, tout Dakar, Lumen, Aïdias, Aï Bambilor, Aï Kerndiaïlo. Donc, l'équipe non le composée au Bokhole. Nous sommes spécialisés carrément pour produire une équipe de Dakar fini. Nous sommes Almadi, Ngor, Viral, Fan Residence, Sacré-Cœur, Point E. Nous sommes des équipes standing, à grand standing. Nous sommes des villas et les terrains de grande superficie et les produits de luxe. Nous sommes des équipes. Mais aussi, il y a une autre partie de l'équipe. Nous sommes des maîtrisés de la zone B. Nous sommes des zones de Niaïbi. Ou le petit code bi lu melni ay keur ndiaylo dias bambilor ak tamit bo xolé japp keur moussa japp jender japp yel waaw équipe bi non lañ composé waaw en fait conseil bi may def moy que vu la situation actuelle du pays la location c'est trop cher. Donc, nous, bon et jeune, nous avons des locations chères, des appartements allant de 200 à 500 000, nous devons réaliser ce que nous avons. Donc, pour cela, il faut que nous devons Dakar, Fensori, PH Bank, Corniche Bank, Veden Bank, et pour nous devons le National Swimming. Donc, ce que je conseille les jeunes, c'est que nous regardons un peu les zones porteurs et futures. Nous avons dit qu'il y a un port qui est juste à côté, le port d'Ayane. Ça fera partie des plus grands ports de l'Afrique de l'Ouest. Zone bob amna guey amna quai de pêche, il y a tous les commodités yo xamné jeune mëna fa jënd tabax fa di xey Dakar di dem Thiès wala di xey fofu nonu di ñëw Dakar lool non yépp ay possibilités bo xolé zone la grosse bi aussi il y a fofu le deuxième pôle bi nek fofu aussi l'activité touristique ça marche très bien là-bas. Pourquoi pas aussi miser fort parce que tay bo guéné yanki Veden 3 pour ñeu Dakar c'est très facile boudé da ngay dugg côté Keur Moussa yone bo Bambilor bi ngay jaar Keur Moussa après yaangi ci bi donc ñaari zone yoy non yépp ay zone la yo xone ay zone accessible pour nit ñi mën ci investir benen aussi moy zone Diassou fofu la aéroport bi nek très bientôt day développer excessivement bo xamné machallah donc fofu non yépp ay zone stratégique yo xamné ma ci zone Bambilor bi ak yone sol jor très bien positionné pour tout ce qui est agriculture, tout ça. L'autre aussi, génie, nous avons fait un lotin de terre, d'avoir un cœur de queue, de créer des liens, il y a les moyens de transport en même temps, il y a les bus Dakar, il y a les bus Dakar de Médic en même temps. Il y a les gens qui sont focalisés, nous avons un cœur, mais nous avons un cœur de Dakar. Donc, il y a des problèmes, nous avons un cœur de Dakar, après un moment donné, et complications. Donc, j'en ai une zone accessible pour nous avons un terrain. En fait, nos objectifs, c'est on a des objectifs vastes, moyen court et long terme. Mais ce qui est solo tay au sein de l'entreprise, c'est d'accompagner le personnel, ni fi liguer dans de bonnes conditions déjà nous ici, mais accompagner les jeunes à que nous amenions c'est le propre terrain puisque nous ñu ci benen secteur immobilier, informatique, représentation commerciale, nous ici secteur bobu vente et matériel mobile, équipement, nous ici secteur bobu non. Lool moy objectif bo xamné ñun ci taxaw. Benen bi moy essayer d'aider les jeunes et aussi les gens qui de la diaspora pour au moins ñu am fi ben terrain bo xamné au moins tay euleuk ci biir dina mëna ñëw ci tabax am sen keuru bokku mais aussi djema yobbu holding GAYI ben niveau bo xamné né tay ñepp kepp comme soxla bo bëgg dina sa xel dina fa ñëw donc on va bel ni parce que tay ñu ngi liggéey pas mal de entreprises plus de 50 partenaires on travaille avec eux ci domaine yépp qui domine immobilier, informatique, représentation commerciale, support de com, etc. Beaucoup de monde nous parle, mais il y a une autre question déjà que nous avons une nouvelle pose pour dans le futur game comme Marale. En fait, côté entrepreneuriat, beaucoup de choses c'est vaste. Parce pourquoi c'est vaste? Parce que quand tu n'as que perception, beaucoup de choses.
parce que tay nit ki mën na am xaliss né dafa bëgg entreprendre alors que amul idée de projet mais tay nit ki mën na am idée de projet bëgg entreprendre mais amul xaliss mais tay di nga gis aussi ko am xaliss am idée mais amul temps donc tay lima gis ci entrepreneuriat c'est buñ def focus dañu ñu wax lan lañu miser l'entrepreneuriat des jeunes c'est-à-dire jeunes lañuy focaliser parce que de même que de notre part aussi on focalise les jeunes li ci ëpp solo nak moy tay ñu jappalé jeunes ci entrepreneuriat parce que entrepreneuriat les jeunes aussi il y a d'une part les jeunes qui sont paresseux dañuy génné ci business school yi japp ni dañu wara liggéey am ay salaire yu maga mag alors que ça se passe pas comme ça business school yi c'est du théorie moi je suis passé à ISM alors que j'avais beaucoup de rêves bi may wadi génné mais bima génné la en réalité école ak réalité sur le terrain c'est différent donc li may conseiller jeunes moy c'est une idée de projet nañ ko booster partager ko avec des partenaires parce que idée de projet dès lors nga am idée de projet partager wo ko lolu du projet buy sorti da ngay tok di rêver rek xey un bonjour un monsieur lance mané sama projet là alors que il y a mille et une personnes qui pensent la même chose donc tay limay conseiller moy ñu baña paresse baña xép ay duma def li parce que li la jang man jaar na ci liguey bébé bép bo xalat que né mu na rek alors pourtant non na ko éviter son bop parce que j'avais une personne qui était à côté de moi demain dama dem vers sa travail je n'ai entreprendre nañ am idée yu clair am feuille de route bu clair aussi les idées def ay études baña paresse baña tok fi nga tok wala tok sa kanam ordinateur di def ay recherche da nga wacc sur le terrain def ay recherche lancer projet booster ko man je vois baña xép oui je vois que le gouvernement d'une part fait sa part de responsabilité ça dit pourquoi parce que gouvernement bi tek na ay keuru liguey kay ay courel lu melni fonds ay keuru liguey kay yo xamne jeune lu melni ber yo xamne ay jeune mën nañ fa dem out ay financement mais tay ce que disait le président américain tu ne dois pas dire ce que l'état doit faire pour toi mais ce que tu dois faire pour l'état état nak day toll fo xamne c'est nous l'état toi moi et les autres mais on a mis en place ce qu'on pas appelé le gouvernement qui pilote pour une bonne démarche de l'état donc tay jeune dama gis ñu bind ay projet mën ko défendre maîtriser ko dem rechercher ay financement buñu mëna ñu def ak sen les maigres moyens yu ñoma sur place pour mëna tek sen business mais état li nekk ci compte ba té état sénégal ni on voit que né ñi ngi def yenn pas mais aussi il y a des limites yo xamné ñom mënuñu ko matalé donc les jeunes aussi dañu wara djub warnu tok rek di xaar na état bi wara jox mais dañu wara djub aller vers l'état pour poser des actes mais tout ce qui sera en rapport avec le développement du Sénégal mais aussi tout ce qui est en rapport avec l'entrepreneuriat des jeunes parce que moi c'est ça que je prône.